Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo test. Donc, je me suis pris du carton noir de ce pad. Vous savez, le pad 3 couleurs avec 3 intensités de papier à l'intérieur. J'ai pris, quand même, les assez solides. Pas le plus solide, mais j'aime ça quand ça se tient, mes petits mots. J'ai pris ma petite planche de tampon Bonjour et les encres blanches. J'ai un petit trémolo de la bouche. J'arrive, je sens de la bouche. Ça fait pas très longtemps que je suis debout. Comme d'habitude, c'est l'heure de mon petit café. Je suis allée un petit peu fermer ma porte parce que Monsieur fait des bruits comme des et des trucs comme ça, et ça m'énerve un petit peu. Normalement, ça ne me dérange pas, mais quand je suis en vidéo, c'est un peu plus touché. Donc, ici, j'ai mon Versamagique nuage blanc. Iho! Et je veux faire des bonnes journées. Mais noir, blanc sur noir. Et voilà, j'ai mis mon encre. Puis, je vais être sûre que ça fonctionne bien. Oui, regardez ça. Superbe. Ici, j'ai bavé un petit peu. Et voilà, ni vu ni connu. Donc, je vais recommencer ça. Habituellement, quand je veux blanc sur noir, il faut que j'y aille avec mon embossage à chaud parce que ça ne fonctionne pas. Fait que je suis bien contente d'avoir ces petites encres blanches. Ouais, je suis très contente. Franchement, c'est superbe. Fait que je vais en faire un petit dernier de celui-là. Et voilà. Ça a pas une petite affaire quand ça sèche. Si je me fie aux deux premiers, ils sont déjà un petit peu plus pâles. Mais pour moi, ça va. Et là, je voulais essayer mon blanc Moonlight là, que je vous parlais la semaine dernière en faisant ma petite pensée pour toi. Je suis en envers. On entend pareil, chérie, hein? Lui, il se fait encore moins longtemps que moi qu'il est debout. Et voilà. Très, très, très joli. En tout cas, mon goût à moi, j'adore. Puis celui-là, il est comme perlé. Ça va être très, très beau. Comme d'habitude, j'en fais 3. Parce que ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup, beaucoup envoyer quand je fais des happy mail. C'est pour ça que j'en fais toujours 3. Et voilà. Ce matin, j'ai eu une belle surprise. Je vous ai parlé de la chaîne Victoria Design, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vous ferai pas tout ce qu'ils font parce que j'aimerais ça que vous découvriez. Mais de temps en temps, par email, elle nous envoie des petits cadeaux. Et ce matin, elle nous a envoyé une petite pochette vintage que je n'ai pas vue encore. Donc, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y en a. Alors, voici ce que ça va donner. Regardez mon petit perlé que je vous parle. C'est très, très, très beau.
Et j'aime beaucoup cette encre. Souvent, l'encre blanche, je suis déçue, mais ceux-là, les Drew Drops, franchement, je suis très, très, très contente. Puis, ben, écoutez, c'était ma petite vidéo. Je vais juste prendre un de mes punch pour faire. J'ai un beau punch. On va en profiter de fermer plus la porte. J'ai un beau punch comme ça, festonné. Je cherchais le mot. Oh, c'est pas mal gros, hein? Ouais, c'est trop gros. C'est beau, mais trop gros. Je vais y aller avec celui-là. Excusez-moi, je renifle. Bon, faut que je fasse un petit découpage. Comme ça. J'ai pas attendu assez longtemps que ça sèche, ça bavait un petit peu. Celle-là, il sèche. Ces encres-là, c'est des pigments. Fait que c'est plus long à sécher, regardez. Fait que celui-là. J'ai mis mon doigt devant et ça a fait de la chenoute. Mais je vais m'en refaire ici. C'était avec mon brillance. Et je vais les laisser plus sécher. J'y toucherai plus comme ça. Je vais attendre, je vais m'en faire d'autres, je pense, parce que je trouve ça très, très, très mignon. Puis, comme il faut laisser sécher, ben, je vais les mettre de côté et je vais m'en faire plusieurs autres. Donc, là, c'est vrai. Je vous laisse sur ce. Je vais continuer mes petits ancrages noir sur, blanc sur noir. Puis, ben, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.